Vidéo extrêmement émouvante d'un soldat russe qui se rend. Image de solidarité au milieu d'un conflit, au milieu de la violence. Les Ukrainiens sur place lui ont donné du thé, de la nourriture et l'ont laissé appeler sa mère en visio. Это потом уже с вами свяжется, Наташа. Все, он сейчас жив, здоров, с вами потом свяжется. Прощайся. Вы сюда до нас куда-то? Да, ему какие-то, может, вещи идти. Ну, сейчас я приду целый вопрос, решу. Да, сейчас берем. Retour à la ferme avec un nouveau tracteur. Cette vidéo a ému des millions d'internautes et a renforcé la solidarité avec l'Ukraine. Après vérification, il s'avère que l'homme en pleurs est un séparatiste russe du Donbass qui a décidé de mettre sa famille à l'abri en Russie. Attention aux fake news. Colonne de migrants africains à l'assaut de Melilla, Espagne. Il y a une semaine, ils avaient des vies ordinaires, des emplois ordinaires. Aujourd'hui, ce sont les combattants de la défense territoriale de Kiev. La guerre n'est pas un jeu vidéo, elle tue des hommes, des femmes, des enfants, elle détruit des familles, des mères pleurent de chaque côté. Un convoi russe a été complètement détruit dans le quartier de Bucha à Kiev. Вот, блядь, одни запчасти, пидоры, блядь. Гандоны ёбаные, блядь. Это все в Буче, молодцы. ВСУ, молодцы. Вот что пооставалось, блядь. Вот это все Буча, в Буче. Это все в Буче, блядь. Правда, есть разрушения, блядь, но не без этого. Вот вам, пожалуйста, блядь. Пидоры пришли к нам, сука. Вот вам, блядь, шапки, ушанки, блядь, пидоры ебаные, блядь. Косопьё ебучее, блядь. Кто с мечом к нам пришел, блядь, тот, блядь, и от меча, блядь, погибнет, блядь. Вот так вся улица вокзальная до самой Бучи, блядь. Пидорасы, блядь. Équipement de l'armée russe brisé dans l'une des rues d'Ukraine, un journaliste de presse capture une vidéo d'innombrables véhicules russes brûlés. Shit.
значит. Look, and there are still families coming through from Bucha over there. And you can smell the fight here. Voici le résultat d'une nuit de bombardement, ville Irpin, région de Kiev. Russie, vidéo qui montre Yelena Osipova, survivante du siège de Leningrad et militante anti-guerre qui a participé à la manifestation à Saint-Pétersbourg contre l'invasion russe de l'Ukraine. Thank you.